L'approche Faber-Maslisch, c'est une façon d'être bienveillant avec ses enfants en commençant d'abord par être bienveillant avec soi-même. L'approche Faber-Maslisch, elle vient de deux femmes américaines qui ont, il y a bien longtemps de ça, poussé la porte d'un centre communautaire aux États-Unis pour participer à un groupe de parole pour les parents, animé par un psychologue qui s'appelle M. Guinot. Adèle Faber et Hélène Maslisch, ces deux américaines, ont donc participé pendant 10 longues années à ce groupe de parole avec ce psychologue. Elles ont découvert, pendant ces moments-là, des choses qu'elles n'avaient tout simplement jamais imaginées. La chose la plus importante qu'elles ont découvert, c'est que finalement, nos enfants sont des êtres profondément coopératifs, pour autant qu'on puisse s'exprimer vis-à-vis d'eux de façon adaptée. Si je devais résumer l'approche de Faber et Maslisch, c'est vraiment ça, une communication efficace et pertinente qui va permettre aux enfants d'être coopératifs et surtout de se sentir partie intégrante de la famille. C'est qu'on va transformer la vie quotidienne en une vie d'équipe. C'est comme dans une entreprise où on sait qu'on doit être tous ensemble pour atteindre le même objectif. Il n'y a plus de frontières entre les parents et les enfants. Pour autant, bien sûr que ce sont les parents qui sont responsables de la vie quotidienne, qui sont responsables de tout ce qu'il y a à faire au quotidien avec les enfants.